Nous allons au vieux monastère Sainte-Marie. Cet endroit doit être hanté par les satanistes. L'atmosphère est étrange ici. Les moines utilisaient cet endroit pour invoquer des fantômes ou des démons. Est-ce que quelqu'un est mort ici? Ça ressemble à du langage satanique. Nous suivons une ombre étrange dans le couloir. Je l'ai vu entrer dans cette pièce. Il n'y avait personne. La batterie se décharge à vitesse grand V. Il est ici. C'est certain. Je ne trouve pas mon détecteur. J'étais sûr de l'avoir pris. C'est en train de se déplacer. Tu as entendu ça? On appelle cela la théorie des ondes rémanentes. La poussière est tombée au moment exact où nous avons posé la question. Êtes-vous un nazi? Salut Monica, quelle est la nouvelle affaire? Salut les gars, nous allons au vieux monastère Sainte-Marie. Les moines étaient réputés satanistes. Le propriétaire a vu d'étranges silhouettes dans le couloir. Les nazis ont utilisé le bâtiment pendant la Seconde Guerre mondiale. Et on a même entendu des nazis dans les cellules. Ça a l'air d'un endroit chargé d'histoire. Je suis sûr que nous ferons du bon travail. J'espère qu'on va trouver quelque chose. Je pense que ça va être super. Bon sang, vous étiez passé où? Ah là là, nous avons loupé la sortie d'autoroute et de ce fait nous avons dû rebrousser chemin. Désolé les gars. Peu importe, ce n'est pas grave. Allons-y. Let's go. Bonjour. À l'intérieur de ce bâtiment se passent des choses étranges. Lorsque les gens visitent le monastère, ils ont des sensations étranges et voient des choses étranges. J'ai par exemple moi-même été témoin d'une ombre se déplaçant dans le couloir où les moines priaient autrefois. Et ils étaient satanistes comme vous le savez sûrement, ce qui a sans doute un rapport avec notre affaire. Cet endroit doit être hanté par les satanistes. Je vais également vous montrer l'endroit où les nazis gardaient leurs prisonniers. Et j'espère que vous trouverez quelque chose pour prouver que cet endroit est hanté. Ok les gars, nous allons faire de notre mieux pour voir si cet endroit est hanté ou non. Comme vous pouvez le constater, cet endroit est particulièrement vieux. Je vais commencer par vous emmener au couloir des murmures. Oui, c'est l'endroit où les moines priaient, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Voici le couloir où les moines priaient autrefois. On l'appelle le couloir des murmures. Et c'est là que j'ai vu une silhouette. Ce trou est étrange, n'est-ce pas? Il était peut-être utilisé par les nazis pour y mettre des juifs ou des prisonniers. Oh ça, c'est juste l'ancien système d'évacuation des eaux usées installé par les nazis. Vous me suivez? Comme vous pouvez le constater, la hauteur sous plafond est vraiment grande.
Il y a également de très grandes fenêtres dans chaque salle. Cet endroit compte pas moins de 170 chambres, ce qui n'est vraiment pas mal par les temps qui courent. Cet endroit est vraiment une bonne affaire. Je ne connais pas les prix du marché. Les gens qui viennent ici pensent que les moines utilisaient cet endroit pour invoquer des fantômes ou des démons. Eh bien, j'espère que vous pourrez me dire quelque chose à propos de cette salle, car c'est l'une de mes préférées. Je sens déjà quelque chose. On y va ? Ces pièces étaient les cellules utilisées par les nazis pour garder leurs prisonniers. Alors s'il y a un fantôme ici, c'est peut-être un nazi qui n'a pas pu finir son interrogatoire. Ne pensez-vous pas qu'il s'agisse d'un ancien détenu mort ici ? Oui. Enfin, dans tous les cas, c'est chiant. Je sens que cet endroit est vraiment particulier. À mon avis, ça va être une belle enquête. Eh bien, j'espère que vous allez en effet mener une superbe enquête sur ce terrain de 2000 mètres carrés avec jardin et terrasse. Ok les gars, c'est parti. C'est la première fois qu'un cimetière indien est construit sur un parking, et non l'inverse. Je me demande vraiment comment ils pouvaient utiliser ces toilettes. Oh mon dieu, t'as vu ça? On dirait que les moines ont dessiné ça pour invoquer le diable. Ok, ça a l'air à l'envers. Tu vois la croix? Lisons ça. 9, 9, 9. Ça ressemble à du langage satanique. Mais non, c'est du flamand. Cette pièce est très petite et il n'y a aucun meuble. C'est vraiment étrange. Cet endroit n'a pas de fenêtre. Je me demande comment ils pouvaient vivre ici. Nous étions dans le couloir des murmures, à la recherche de phénomènes étranges. Nous sommes dans le couloir des murmures. C'est tranquille ici. Et de votre côté ? Rien à signaler. J'ai clairement vu quelqu'un ! Je l'ai vu entrer dans cette pièce ! Tout à coup, j'ai clairement vu quelqu'un. Monica a clairement vu quelqu'un. Je suis sûre qu'il est entré dans cette pièce. J'ai suivi l'ombre et elle est clairement rentrée dans cette pièce. Nous sommes allés dans l'autre salle, mais nous n'avons rien vu. Il n'y avait personne. Ici Peter et Monica. Nous suivons une ombre étrange dans le couloir. Peter et Monica nous ont appelés au Toki. Ils suivaient une ombre dans le couloir. Bien, nous allons faire une VEPMEM QYSQM. VEPMEM QYSQM. Ce sont des voix qu'on n'entend pas au moment de l'enregistrement, mais qui y sont quand même. Il y a quelqu'un ici ? J'ai entendu quelque chose. Par là. Il est ici. C'est certain. Tu as entendu ça? Au début, je pensais qu'il y avait quelqu'un d'autre dans la pièce. Mais ensuite... Oh, il est parti. Il est parti. C'est dommage. Bien, commençons les mesures. Ok. Je ne trouve pas mon détecteur d'ondes électromagnétiques. J'étais sûr de l'avoir pris. Peut-être qu'un esprit me l'a pris.
J'étais pourtant sûr qu'il avait pris son détecteur d'ondes électromagnétiques. C'est vraiment bizarre qu'il ne l'ait pas trouvé. Ne t'en fais pas, j'ai une application sur mon téléphone. Oh mon Dieu! L'atmosphère est étrange ici. Je me sens bizarre. Monica, mesure la densité ionique de l'air. Ok. Deux quoi? Deux. Merci. Je suis en ce moment en train de mesurer les pics de chaleur en certains points stratégiques, dans toute la zone. Ça sert à quoi? Attends. Ça alors? La batterie se décharge à vitesse grand V. Oui, la mienne aussi. Selon certains théoriciens, lorsqu'un fantôme cherche à se manifester, il a besoin de consommer l'énergie des batteries. Nos deux batteries se sont affaiblies en même temps. Ça ne peut pas être une coïncidence. Je suis sûr que l'esprit s'en est nourri. Tu as entendu ça? Je l'ai entendu aussi. Oh mince! Oh non! Incroyable! Mince! Purée! Zut! Oh mince alors! Vite, dépêchons-nous! Attends! C'est en train de se déplacer! C'est derrière nous! Vite! Oh zut! Oh Dieu! Mince! C'est incroyable! Elle est allée par là! Mince! Ok, essayons de parler au fantôme. Est-ce que quelqu'un est mort ici? Envoyez-nous un signe de votre présence. Oh, ça me tue! Oh, ça va m'achever! Nous avons parlé au fantôme. Il nous a répondu avec de la poussière et des cailloux. Oh, ça me tue! Ah, ça va m'achever. Tu as entendu ça? Ça ressemble à... Tu connais la théorie des ondes rémanentes? On appelle cela la théorie des ondes rémanentes. Selon laquelle, les murs peuvent emmagasiner les souvenirs des drames du passé. Et parfois, on peut entendre les conversations d'un lointain passé. C'est une conversation entre moines défunts? Diable! Oh merde! Tu aurais du feu? Oh mon Dieu! Je crois qu'ils sont en train d'invoquer le feu de l'enfer. D'après ce que nous avons entendu, ils invoquaient les feux de l'enfer. Waouh! La poussière est tombée au moment exact où nous avons posé la question. Ça ne peut pas être une coïncidence. La poussière est tombée au moment exact où on a posé la question. Ça ne peut pas être une coïncidence. Êtes-vous un nazi? Ou un juif? Il ne peut pas être les deux à la fois. Il est parti. Partons. Le phénomène s'est arrêté. Peut-être que l'esprit était agacé? Ok les gars, on a fini ici. Ok les gars, jetons un œil à ce que nous avons.
Les gars, écoutez ça. On dirait que quelqu'un dit « Je suis un fantôme ». Oui, c'est exactement ce que j'ai compris. Les gars, visez un peu ça. Oh mon Dieu. Ça n'était pas là. Et toi, tu as trouvé quelque chose ? Non. Et toi ? Mise à jour de Windows 10. Je ne peux rien faire. Bien, je pense que nous avons de bonnes trouvailles. Appelons le propriétaire pour lui montrer tout ça. Bien, nous avons enregistré de nombreux sons, mais nous avons trouvé quelque chose d'étrange dans le couloir des murmures. Écoutez ça et dites-moi ce que vous en pensez. Waouh. Écoutez encore. Waouh. Écoutez encore. Waouh. Écoutez encore. Écoutez encore. On dirait que quelqu'un dit « Je suis un fantôme ». Oui, c'est exactement ça. Au début, j'ai entendu la même chose, mais je n'étais pas sûr. Alors j'ai fait écouter à Dimitri et il a entendu la même chose. Il n'y a donc aucun doute. Waouh. Waouh. Je sais, c'est incroyable. Waouh. Vous avez autre chose ? J'ai pris quelques clichés pendant l'enquête. Et j'ai quelque chose de très intéressant à vous montrer. Voici les différentes photos. Le plus intéressant, c'est que sur la dernière, nous n'avions rien vu avant de la mettre sur l'ordinateur. Et nous avons vu ceci. Waouh. Il y a comme une sorte de silhouette ici. Je vois une forme ici. Je pense vraiment qu'il s'agit d'une sorte de silhouette. C'est une forme étrange. J'ai vérifié de nombreuses fois, le fichier n'était pas corrompu, ça n'apparaissait pas sur l'appareil photo, mais uniquement sur l'ordinateur. Et ça n'apparaît que sur cette photo en particulier. Je ne comprends pas, donc voilà. Je suis sous le choc. Nous avons trouvé beaucoup de choses intéressantes. Mais nous n'avons pas assez de preuves pour affirmer que cet endroit est hanté. Je suis sûr que le monastère est hanté après avoir vu tout ça. C'était une belle enquête, merci à vous. Tout le plaisir était pour moi. C'était vraiment une chouette enquête. C'était vraiment incroyable. Très intéressant. Félicitations, tape en 5. C'est vraiment... waouh. Je suis maintenant convaincu que cet endroit est hanté. Ça valait vraiment le coup de mettre cet argent dans cette enquête. Combien ai-je payé déjà ? C'était une belle enquête. Je n'ai jamais vu un endroit pareil. C'était vraiment génial. Les prêtres et les nazis étaient vraiment de sacrés numéros. Et maintenant ? Monica, as-tu une nouvelle affaire ? Non.